Dis-moi où il est. Je veux savoir où est ce Jade. Dis-le. Il ne l'a pas sur lui. Il a dû le remettre à son fils. Je ne vois pas d'autre solution. Il était plus sensé que je ne l'avais cru, je dois le reconnaître. Allez, on n'a plus rien à faire ici, allons-nous-en. Venez! De la bande du serpent, ce serait le paradis. Ouais, t'as raison. Trois contre un, il faut aller l'aider. Sauvez-vous! Il respire encore. Ils l'ont durement corrigé. Il faut l'emmener à l'école maintenant, vite. Oui, allons-y. Et tout seul? Oh! Et... Ouais, toujours le sale boulot pour le même. Il aurait donné ce jade à son fils, et son fils serait ce ridicule crétin que vous avez rossé cet après-midi, c'est ça? Oui, maître, j'en suis certain. On les a vus ensemble et on les a suivis. Shang n'a vu personne d'autre. Oui, mais qui a pu venir l'aider au dernier moment? Je ne sais pas du tout. Mais il ne sera pas allé bien loin, il était très sonné. Il a donc besoin de recevoir des soins.
Allez voir les hôpitaux de la région. Il ne doit en aucun cas m'échapper. Je veux récupérer ce jade. Allez! À vos ordres. Qu'est-ce qu'il a donc de si important, ce jade? Si vous le voulez, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est magique? Ne pose pas tant de questions, va le chercher, puis tu me le ramènes ici. Entendu, je vais le chercher tout de suite. Je m'excuse d'avoir été indiscret. Alors, en route. Va et ne me fais pas perdre mon temps. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Il a été battu par 3 hommes. Il était en triste état, alors on l'a ramené ici. Qui est-ce? Vous le connaissez? Pas du tout. Jamais je ne l'avais rencontré avant aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sérieusement blessé. Kylie. Va me chercher le bol qui est à côté, s'il te plaît. Oui, père. C'est celui-ci? Oui, c'est ça, merci. Ça devrait l'aider à se remettre. Il va sûrement vomir maintenant. Apporte le nécessaire. Laissons le temps faire le reste. Venez. C'est couché, tu sais. Tu n'es pas encore complètement remis. Je suis bien au soleil, c'est calme. Je ne sais même pas qui tu es. Je m'appelle Jackie et je voulais vous remercier tous de m'avoir sauvé la vie. Tu es Jackie et moi je suis Kylie. Ce que je cherche encore, c'est... Pour quelle raison on a essayé de me tuer? Ils ont même tué mon père. Ils voulaient une chose. Je ne vois absolument pas quoi. Ils disaient, dis-moi où il est. C'est peut-être un objet que tu as caché. Caché? Mais je n'ai rien à cacher. Je ne possède rien qui ait de la valeur. Tu n'as rien à craindre pour l'instant. J'aimerais pourtant comprendre pourquoi ils ont tué mon père. C'est ce qui me tracasse. Kylie! C'est mon père qui arrive. Bonjour, père. Jackie, voici mon père. Très honoré, monsieur. Et notre ami, Joey. Joey? Je suis heureux de voir que ça va mieux. Comment vous sentez-vous? Oh, bien mieux, grâce à vous. Et je vous remercie de votre aide, monsieur. Tu n'as pas de souci à te faire pour l'instant, Jackie. Sois tranquille, tu as été très bien soigné. Monsieur Yang est un bon docteur. Ces hommes qui t'ont attaqué, qu'est-ce qu'ils voulaient te prendre? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. S'ils voulaient mon argent, ils ont eu tort. Je n'ai rien, je ne suis pas riche. Et je n'y comprends rien du tout. Une sorte de trésor. Un objet que tu aurais caché quelque part. Mais pas du tout, non. Si vous voulez, fouillez-moi. Pas question de ça, Jackie. Le plus important, c'est que tu t'en sois sorti. Ça te plairait de travailler avec nous. Oh, étudier les arts martiaux avec vous serait un honneur. Alors je me charge de ton éducation. C'est une bonne idée, je crois. Tu as peut-être le temps d'attraper le cours en marche. Nous allons présenter nos respects au maître.
commencerons donc notre leçon par le cours que nous avons vu hier. Attention, 1, 2, 3, une seconde, repos. Le 2 n'est pas assez haut. Il doit être lancé droit vers le ciel. Je vous montre. Hop ! On commence. Ceci, 1. 1. Allons, on reprend. J'ai dit que le pied va vers le ciel. Il faut le lancer bien haut, comme ça. Silence, on ne rit pas. Bande d'imbéciles, je vais vous dresser, moi. C'est de ta faute, Yen. Mais j'ai rien fait de mal, moi, maître. J'ai lancé vers le ciel que comme vous avez dit. Inutile de discuter. Vous oubliez la discipline, on dirait. Attention. Asseyez-vous. Pas toi, Yen, pas toi. Tu restes debout. C'est Yen qui va vous montrer comment lancer le pied. Vous allez voir ça. C'est que je ne suis pas sûr de bien le faire et je... Mais si, tu sais. Tu l'as fait il y a un moment, je crois. Tu dois avoir le courage de tes actes, c'est vital. Eh bien, vas-y, Yen, j'attends. Ah, c'est très joli, ça. Oh, mon pauvre Yen, tu as perdu l'équilibre, je vais t'aider. Vous permettez, maître. J'arrive. Je sais où est le point d'équilibre, c'est là. Sans Yen, hein. Là. Tu comprends ce que je dis, hein? Ce qui compte, c'est l'assise, Yen. L'assise? Ça y est, je suis assis. Hey. Allons, les autres, debout. Nous allons voir la queue du dragon. Je vais vous faire la démonstration. C'est un mouvement assez difficile à réaliser. Ne vous souciez pas trop, si vous le ratez la première fois, ça viendra à force de travail. Attention, on va essayer un enchaînement. Oh, quel imbécile, celui-là. J'ai réussi du premier coup, maître. C'est très bien, non? Vous disiez que c'était très difficile, mais j'ai réussi. Ouais. Je suis très fort, vous savez. Je sais, oui. Et t'as un gros muscle entre les oreilles, hein. Chez nous, on dit un pois chiche. Maître, puis-je me reposer un peu? Tu devrais faire plus attention aux mouvements des élèves. Ils sont encore très novices, ils dirigent mal leurs coups. Tu risques de gros ennuis. Ils les dirigent mal, tu crois? Eh bien, moi, je trouve que c'est bien visé. Jackie, tu es assez solide maintenant. Si tu veux, tu peux suivre le cours de Joey. Ça sera très utile. Je vous remercie, maître. D'abord, tu fais comme moi, même si tu ne comprends pas. Regarde. Attends, on recommence. Tu veux t'entraîner, oui ou non? Je veux surtout comprendre. Allez, viens. Hey!
tu as encore beaucoup à faire, mais tu as progressé. Hein? Je suis fatigué. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu as dormi 8 heures, non? Bon, assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Allez! Regarde-moi. Ne ferme pas les yeux. Oh. Tu vas pas dormir, Jackie. J'ai quelque chose à te montrer. Hein? Ah! Debout! Hein? Ah! Désolé. Je t'ai pas fait mal. Quoi? Bon, allez, ça suffira pour aujourd'hui. Ça marche bien, tu réfléchis vite, là. Et tu apprends très bien. Merci. Tu m'aides beaucoup. Il faudrait que je me rende en ville. Tu comprends? Je voudrais m'habiller un peu. Et si tu tombes sur ces gars qui voulaient te tuer? Je leur donnerai une bonne leçon. Fais quand même attention, hein. Tu sais pas encore tout. Merci, Joey. C'est le trône, celui du Jade. Il me le faut tout de suite. Ah non, pas cette fois. Je ne vais pas me laisser faire cette fois. Attention! Ah? Attaquez-le! Ne te fais pas de soucis, je vais t'aider à te relever. Je vais te montrer. Tu as saisi? C'est un truc à moi. Et si tu veux, tu peux l'essayer. Tout seul? Je te couvrirai. Vas-y. Allez-y! De m'avoir porté secours. Sans vous, j'étais perdu. Ah, tu ne te défends pas si mal, et puis ces types ne sont pas si forts que ça. Allez, salut, un de ces jours. Hé, attendez, vous m'avez sauvé la vie et je ne sais même pas quel est votre nom. Ah non, je n'ai rien sauvé du tout. Un petit coup de main, c'est tout.
Mais mon nom est Buck. Et si on veut me trouver, je suis toujours au marché. Je m'en souviendrai. Sans élégance. Des crocodiles dans ces eaux-là. Mais non, il n'y en a pas, espèce d'idiot. Allez, vas-y, saute. Mais qu'est-ce que tu attends, hein? D'accord, je vais essayer. Oh! Eh, c'est bien, mais il faut aller plus vite que ça. Oui, viens. Fais des progrès, bravo, oui, oui, super, bravo, très bien. Eh oui, tac, tac, eh oui. Ah, ouais. Tu as l'air essoufflé, tu t'es battu? Contre qui? Les mêmes qui m'ont déjà attaqué, c'était au marché aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de les voir, ils m'ont sauté dessus. Tiens, encore la même bande. Et pourquoi ils font ça? Et après, Jackie? J'ai réussi à me dégager. J'ai pris le chemin du retour et ils m'ont rattrapé le long de la rivière. Et on s'est battu encore. Tu ne t'es pas laissé faire, on dirait. Ça prouve bien que les leçons étaient bonnes. Ah, cela m'a été bien utile. Je me suis défendu. J'ai réussi à sortir de la ville. Et une fois à la rivière, ils m'ont rattrapé. Et je leur ai échappé. Mais je n'ai pas encore saisi de quelle façon j'ai réussi. J'ai été arrêté par la rivière. J'ai cru que j'étais coincé et j'ai réussi à passer. Je n'aurais jamais cru pouvoir réussir ça. D'un bond, d'un seul bond, j'ai franchi toute la rivière. Tiens, tu nous prends pour les petits garçons, quoi? Tu rigoles? Mais je t'assure que non, j'ai vraiment sauté. Alors tu pourrais recommencer, non? Peut-être, oui. Fait mal, hein? Ah. Tu vois? Alors tu penses toujours que j'ai menti? Oh, après tout, c'est rien à faire, je vais te montrer. Regarde un peu. Je recommence. Hey! Vous avez donc
donc raté votre coup une fois encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, c'est difficile, il a l'air plus fort qu'avant. Ça veut dire quoi? Que veux-tu dire par plus fort qu'avant? Comment pourrait-il l'être? Il serait allé apprendre à se battre, hein? C'est ça? Il a appris des tas de choses, j'en suis persuadé. Il a peut-être des dons extraordinaires. Son père aussi en avait, je le sais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Raconte. On l'a rattrapé à la rivière et puis là, il a réussi à... Il a réussi à la franchir d'un bond. Ouais, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose. Il a le jade sur lui, j'en suis certain. Alors il faut me le ramener ici au plus vite. Je vais faire venir des gens qui vont t'aider. Alors c'est ça que tu appelles s'entraîner, hein, Jackie? Vous n'avez rien de mieux à faire, vous deux. Ah, si on allait se baigner. Et tu veux venir avec nous? Non, pas aujourd'hui. J'ai encore pas mal de travail. Ah oui, je sais. Tu as mieux que ça encore à faire. Alors on te laisse y aller. Bon, alors est-ce que tu viens? Non, j'en ai pas envie, non. Je vais à la maison. Ah, tu as raison, Kai. L'eau doit être froide. Tu vas t'enrhumer. Eh, tu viens? Et bonne journée. Ah, tiens. Eh ben, allons-y. Dis donc, c'est une belle journée pour se baigner. Ah, l'eau est toute claire, formidable. Tu viens tout de suite à l'eau? Non, non, j'attends un peu, je viendrai plus tard. Mais vas-y, toi. D'accord, tu sais pas ce que tu perds. J'espère qu'il n'y a pas de fille qui nous regarde. Attends. Ne regarde pas, hein. Non, non, non. Oh, il y a pire que... Hein, si on allait prendre un bain, ça vous dirait? Ouais. Ça fait des heures qu'on cherche. Allons-y, ça va nous faire du bien. Allez. Allez, viens donc, saute! Elle est très bonne. Tu vas pas fondre, hein, tu viens? Tout à l'heure. Hé, hey, attendez une seconde. C'est un des gars qui nous ont attaqués, il me semble. Ouais, ouais, même il y avait une fille avec eux ce jour-là, tu t'en souviens? Ouais. Allons-y. Tiens.
d'accord? Aide-moi. Ouais, on peut plus être tranquille. Quand le serpent t'attaque, tu dois être comme la mangouste. Rapide et sûr. L'homme que nous cherchons. Est-ce que tu l'as vu? Non, monsieur. Pas depuis l'autre jour, non. Si tu mens, tu sais ce que je ferai. Je reviendrai et je te foutrai tout en l'air. Je sais, monsieur, mais je vous ai dit la vérité. Et je voudrais bien le revoir aussi. Il est parti sans payer sa tunique. Tiens. Encore vous? J'en ai marre de courir. Ça va être un peu votre tour. Tu dois être cinglé, non? Tu crois nous effrayer? Ouh, donne-lui une petite leçon, tu veux? Sonnez-le! Va vite me chercher le chef et dis-lui de venir tout de suite. Ah!
Alors, malin, dis-moi, qui est le chef? Pourquoi il me cherche? Je vais te le dire. Je suis le patron de ces garçons. Qu'est-ce qu'un homme comme vous pourrait bien vouloir d'un homme comme moi? Je ne possède pas de richesse, je ne peux rien donner, je ne possède rien. Tu n'as qu'à nous donner le jade que tu as sur toi. Je me demande si vous ne faites pas une erreur. Je n'ai encore jamais possédé ce genre de choses, je le crains. Alors pourquoi est-ce que vous m'ennuyez? Je commence à en avoir marre, un jour je me fâcherai. Toi tout seul contre nous tous, c'est plus du courage et de la bêtise. Je prends le risque. Et puis il n'est pas seul. Je suis à ses côtés. Je suis là, moi aussi, non? Ça me plairait bien de regarder, ce serait drôle. Attendez, ici on ne serait pas à notre aise pour se détendre. On risquerait de gêner, de salir la rue. Allons plutôt ailleurs. Très bien. Alors montre-nous la route. Je crois qu'ici, ça ira. Tu te charges en particulier de celui-là. Toi, tu te charges de l'autre, si tu veux bien, hein? En vérité. Mais je n'ai rien contre vous, je le reconnais. Je ne peux pas me battre sans raison. Je vous reverrai, je suis toujours dans le secteur. Allez, allez, vite, courez vite! Ça va, arrêtez. Ah, j'ai déjà vu des lourdeaux. Mais vous alors, vous ne savez pas courir ou quoi? Mais qui êtes-vous? D'où sortez-vous? On m'appelle La Cloche. Et je viens de partout et de nulle part. Ce serait trop long à vous raconter. Mais je dois vous dire que votre façon de vous battre, ça m'impressionne. Ah, merci. Ah, vous avez le geste de la mangouste. Où l'avez-vous appris? Je le tiens de mon père. Je l'ai reçu en... Est-ce que ce serait par hasard Chang? Ah, c'est bien ça, oui. Vous l'avez connu? Ton père Chang a été comme un frère pendant de nombreuses années. J'étais venu pour le rencontrer. J'ai trouvé la maison brûlée. On m'a dit que mon ami avait été tué. Oui, c'est vrai, ils l'ont tué. Qui l'a tué? Ceux qui t'ont attaqué? Mais là, je n'en suis pas bien sûr. Alors, ces hommes que tu as battus, pourquoi t'en veulent-ils? Ils prétendent que j'ai hérité d'un jade, qui possède un pouvoir. Et tu es sûr que tu n'as rien? Bien sûr. Es-tu bien sûr de ça? Mais oui. Qui sait, tu l'as peut-être sans le savoir. Il a pu le mettre sur toi à ton insu, pendant ton enfance. Et tu ne l'as jamais su?
Il ne nous reste plus qu'à trouver ça. Il est sûrement sur toi. Mais je n'ai rien du tout. Ça, tu peux pas en être certain. Il faut vérifier, c'est tout. Allonge-toi par terre. Ouais, bouge pas. Non, il n'y a rien là. Non, non. Non, non, non. Non, il n'y a rien là. Non, plus, non, plus, non. Mais... Écoute, hein. Ah, oh, hey, ça y est, c'est ici. Dans ta fesse droite. Si c'est si précieux, pourquoi mon père ne m'avait rien dit? Parce que sans doute, il n'en a pas eu le temps, voilà tout. Il ne pensait pas être attaqué. Si jamais les autres savaient ça, ils te tueraient. Méfie-toi. Maintenant, t'es averti. Tu sais ce qui t'attend. Ce que tu ne sais pas encore, mon garçon, c'est que ça te donne un pouvoir. Ça augmente ta détente. Alors, je comprends. J'ai passé une rivière d'un seul bond. Mais ça ne suffira pas pour battre la bande des tueurs. Oh, ça t'aidera, tu peux en être sûr. Bien. Oui. Plus près. Plus près. Encore, encore plus près. Hop. Oui, plus près. Oh. Va lui faire tes excuses. Je suis désolée. Allez, debout, allez, ce n'est rien. Oh. Il défend très bien, bon travail, chérie. Zhao Ping sera avec nous très bientôt, je crois. Une fois qu'il sera là, je vous montrerai certaines choses. Excusez-moi, maître, on m'a fait dire que ma mère était malade. Vous me permettrez de m'absenter quelque temps? Bien sûr, désolé pour elle. Va vite près d'elle. Hein? Merci. Et Jackie, où est-il? Est-ce que tu ne l'as pas vu? Mais non, pas du tout. Ça fait même près d'une semaine. Jackie? Je crois qu'il se cache et il redoute de rencontrer des tueurs. Et je crois qu'à sa place, eh ben, j'en ferai autant. Toi, oui, mais de lui, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait beaucoup. Non, non, attends. Ça n'ira pas, ton équilibre n'est pas assuré comme ça. Ce qui compte avant tout, c'est l'équilibre. Sans lui, tu perds la moitié de tes moyens. Regarde comment tu dois te placer. Suis-moi. Alors, tu vois ce que je veux dire, hein? Tu dois toujours être en équilibre sur tes jambes. Mais tout ça n'est qu'un jeu d'enfant. Il serait temps que tu apprennes des choses sérieuses. Je suis prêt, maître. Bon, bon, on verra. Non, non, tu dois baisser le pied avant de frapper. Allez, encore une fois, pied, main. Allez, avance. Allez, vas-y, avance. Main. Allez, tire. L'énergie. Approche, tienne. Aide-le à tirer. Oui, je l'aide. Et encore une fois. Tienne. Oh. Pas ton talent ne fait que des gestes naturels. N'utilise que ce que tu possèdes. Tu vas arracher tous ces bambous et revenir de mon côté. Attention, tu es prêt? Vas-y! Hop! Ouais, non.
donner de l'eau? Tu as soif, Jackie? Attends. Tiens, bois! Oh, espèce de petit crétin, je voulais la boire, c'est tout! Tu auras à boire quand tu seras sorti de la pas avant. S'entraîner à table. Tu dois perfectionner ton adresse. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu prends ce haricot et tu le balances bien haut. Tu recommences chaque fois jusqu'à la fin des haricots. Un excellent entraînement, je t'assure. On devra essayer. Je l'ai pas eu cette fois. Question d'équilibre. Il faut être en équilibre si tu veux réussir à prendre le haricot. Ah, j'ai été plus vite que toi. Tu as triché. J'avais dit un par un. Tu as préféré tout avaler d'un coup. Mais il n'en restait qu'un. Je n'aime pas les mensonges. Tu as encore la bouche pleine avec un haricot. C'est étonnant, non? C'est une sorte de miracle. J'aimerais bien que tu m'expliques ça. Ah, mais je vous assure, j'en avais qu'un. Seulement, c'était un gros. Kylie, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je rêvais. Ah oui, je sais, tu penses à Jackie. Hein, tu te demandes où il est? C'est vrai, oui, je pense à Jackie. Je suis inquiète, je ne sais pas du tout où il est. On ne l'a pas vu depuis des mois. Peut-être qu'il est mort et qu'on n'en saura rien. Et là, je ne sais pas où il est, s'il est en vie ou s'il est mort. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu vas sûrement mourir. Regarde-toi donc, tu vas mourir d'ennui et ça, c'est pas normal. Tu manges rien, tu penses te nourrir de l'air du temps ou quoi, hein? Tu vas devenir affreuse, t'auras l'air d'une vieille et très vite. Je le sais, mais c'est pas ma faute. On reprend la pratique. Si tu veux te perfectionner, Jackie, il va falloir travailler très très dur. Aujourd'hui, nous ferons une bonne pratique. L'eau est froide et coule très fort. Ça peut être profitable? Bien sûr que oui, c'est toujours profitable. Tu resteras sous la chute, assis. Tu la supporteras. Tu resteras sous la chute pendant 3 jours. Est-ce que j'ai le droit de le faire moi aussi, maître? Pas toi, non. Alors je rentre à la maison. Sale gosse. Et t'as qu'à descendre. Allez. Thank you.
je m'endors une minute et voilà. Il disparaît. Mais où est-il passé? Mais ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Allons. Tu as ici pour travailler. En route. Maître. Maître. Hé. Hey. Encore, encore. Avance. Allez, allez. Écoute. Tais-toi, tu sais bien que tu dois pas parler. Viens ici, viens. Pourquoi? Mais discute pas, viens ici, viens, je te dis. Si le maître me prend à te parler, c'est encore moi qui vais prendre un raclet. Je voudrais seulement boire. Tu veux pas m'aider un peu? Comment? Et prends les bols, maman. Rien au maître, surtout, hein? Hey. Hey. Tiens, attrape. Oh. Hey. C'est facile. Tu as compris? Ça paraît facile, oui. Non, non, attends une seconde. Et il faut le faire avec un bandeau? Ben, sans bandeau, personne ne raterait. Mmh.
Et toi, tu es. Tu dois te servir de tes oreilles. Tu fais la différence entre le feu et l'épée. Oui, maître. Ce coup-là, je fais une vraie attaque. En garde. À ce coup-là, c'est gagné. Ouais, tu commences à être bon, Jackie. Ça suffit pour aujourd'hui. On va aborder la délicate question du jade. Tu sais que ça te donne un pouvoir de déplacement. Tu as le droit de le toucher une fois, deux fois ou trois fois. On va travailler le deux. Est-ce que je saurai à quel moment l'utiliser? Est-ce que je serai prévenu? Essaye. C'est la seule façon de t'y habituer. Ça marchera, j'en suis sûr, tu verras. Allez, essaye. Oui. Deux fois. Alors tu as saisi. Tu dois t'entraîner à le maîtriser. Et ça change quoi si je frappe trois fois, maître? Ça augmente la... Ça augmente le pouvoir. Et tu le travailleras. Mais pour l'instant, continue à travailler sur le 2. 3, ce serait dangereux. Pour l'instant, restons-en là. Si tu réussis, ce sera déjà très bien, tu sais. Je m'excuse de vous déranger, mais j'ai trouvé le vieux clochard. Son nom est Chao Ping. Et c'est un ami de Bill Yang. Il vient donc du Dragon d'Argent, c'est un expert en kung-fu. Mais qu'allons-nous faire? Les mettre tous en pièces. Cherchons Jackie Chang. Nous voulons lui parler. Dites-nous où il est. Je le regrette, Jackie Chang nous a quittés. Il n'est plus ici depuis plusieurs mois déjà. Tiens, vraiment. Cherchez-le. Bien, venez. Allez-y! Hey!
Sur ces murs. Si Jackie Chan veut revoir Yang et sa fille en vie, il devra nous retrouver au trou du crotal. Nous échangerons ses deux vies contre sa personne. Il faudra choisir. Jackie, je t'ai appris tout ce que je savais, mon garçon. Je dois m'en aller maintenant. J'ai rendez-vous avec un vieil ami. Si je pouvais vous suivre, je serais très honoré. Je dois me rendre au Dragon d'Argent. Vous voulez dire l'école de Yang? C'est ça, oui, en effet, tu connais cette école? J'y suis resté quelque temps. Ce sont les gens de cette école qui un jour m'ont sauvé. Et je dois aller les remercier. Alors nous ferons route ensemble, Jackie. Tu m'entends? Monsieur Yang! Kylie! Ils ont tous été tués. Mais qui a fait ça, Joey? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais tu t'en doutes. Ils tiennent Monsieur Yang et Kylie. Ils te veulent en échange. Où peut-on les rencontrer? Ils nous attendent au trou du crotal. Nous sommes arrivés. Tu peux y aller seul. Jackie, on t'attend. Va. Hé, hey, vous autres, vous êtes là? Allez prévenir votre patron que je suis là. C'est votre jade qui nous intéresse, pas votre vie. Alors donnez-le-moi. Il semble que les hommes ne comptent guère. Vous avez tué beaucoup de gens et mon père aussi a été assassiné. Ça sera pareil pour toi si tu ne donnes pas ce jade. Où sont Kylie et son père? J'exige de les rencontrer avant. Bien sûr. Qu'on les fasse sortir. Oui. Attention, ils vont ruser. Il faut qu'ils les lâchent d'abord. Moi, je n'ai aucune confiance en eux. Lorsque vous les aurez libérés, j'irai vers vous et je me rendrai, je le jure. Surtout n'essayez rien. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord.
Je veux que vous ayez les mains attachées dans le dos d'abord. Je suis d'accord. Allez. Relâchez-les tous les deux. Après vous avoir attaché, je crains vos réactions. Il est bien attaché, chef. Alors laissez-les partir. Yeah!
L'heure est venue de régler nos comptes. Désolé, Kylie, je dois m'en aller. Un jour, peut-être, je reviendrai. J'espère que je le pourrai. Mais je sais que ma décision ne peut être que bénéfique pour nous deux. Je sais ce que nous ressentons, Kylie. Mais je ne t'oublierai jamais, je te le jure. Il est temps de partir! Je t'aimerai toujours. Jamais je ne t'oublierai, Kylie. Ne m'oublie pas non plus.